Salut Station Fréquence! Allez, c'est reparti pour une nouvelle année pour le QSO National du Canal 27. Alors déjà pour commencer, une petite vidéo pour la première demi-heure comme à chaque fois. Et bonne année 2007, meilleurs vœux, bonne santé, plein de contacts. Alors est-ce qu'il y a du monde en fréquence? Ah, j'avais pourtant entendu tout à l'heure quelques stations là faire quelques brèves apparitions. Oui, j'entends quelqu'un là, c'est très 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 QRP de mon côté. Les mentions 1351 à la station de la part de Dindy 33 14 ODR 002 QTH Sainte-Colombe. C'est-à-dire limite Dordogne entre Saint-Émilion, Castillon-la-Bataille. Alors j'ai bien entendu parler la station, mais c'est j'arrive pas à sortir quoi que ce soit. Je t'entends, mais sans plus, j'arrive pas à sortir quoi que ce soit. Ça t'est pas possible de mettre un peu plus de puissance ou quoi que ce soit, ou je sais pas, basculer sur la directive si t'en as une. Je sais pas. Là, je suis au taquet de mon côté, j'ai même un petit poil de QRM, et du coup ça te masque un petit peu. J'ai deux points de QRM, mais le problème de la station, c'est que tu es en plein dedans. Est-ce qu'il y aurait une autre station en fréquence à derrière? Tout à l'heure, j'entendais un coup de pédale de micro, j'ai entendu un siffleur aussi. Les stations, si vous êtes toujours là, ce serait bien sympa si quelqu'un pouvait rentrer dans le QSO, là, et me faire le QSP. Ben, bonne année 2007, meilleurs vœux, bonne santé, surtout la santé, et plein de contacts, un petit peu de propagande là par moment, là il y a quelques apparitions comme aujourd'hui. Ok Pierre-Michel, ben, merci encore Thierry. Ok Pierre-Michel, tu verras dans la vidéo, c'est vraiment 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 très très QRP. Et hélas, j'ai deux points de QRM là qui me bouchent un peu, j'allais dire à la vue, mais un peu l'écoute. Enregistrer le break. Ok, je pensais que tu allais reprendre le micro, puisque là j'ai entendu Pierre-Michel terminer sa phrase, mais bon, j'ai toujours pas compris ce qu'il a dit. C'est bien dommage. C'est pour ça que je pensais que tu allais prendre le micro. Oui, en avant le break. Ok, les 73, Christian, 43, oui, tu as dit. Non, oui, 43. Non, non, le renard.
c'est parti à Gironde. Du 33, voilà, Christian, 14, novembre, Victor. Voilà, toi, Rémi. Ah oui, autant pour moi, merci Thierry. Ok, le roller, les bonsoirs 1351 à toi, bonne année 2007, j'ai cours maintenant. Bonne année 2017, meilleurs voeux, bonne santé, plein de contacts et tout et tout et tout. Merci Rémi, tout à retourner, pareil, bon voeux, bonne santé, beaucoup de contacts, de nombreux contacts et oui, ouais, pour cette nouvelle année 2017, à toi Rémi, je crois qu'il y a quelqu'un qui a briqué. Ouais, retour sur Thierry. Ouais, attends, mais il y a quelqu'un qui a parlé, il est arrivé fort, mais on va laisser rentrer. Vinco, les stations, 73 les stations. Oh merde, c'est lui, allez, il fallait pas le laisser rentrer à lui. Mais il fallait pas le laisser rentrer, oh quelle connerie j'ai fait moi. Salut Rico. Oh merde, on se casse. Salut le coyote. Salut Rémi, je ne sais pas qui c'est, j'ai entendu qu'il y avait Pierre-Michel derrière, je salue Pierre-Michel aussi. Et puis l'autre station, je sais pas compris qui c'était, je salue tout le monde. Le 14, Victor Eco 27, opération Eric. L'autre station, c'est le cousin du coyote, c'est le renard. Ah, salut mon petit renard. Ok, re-73 Eric. Tiens, en même temps, on a un autre Eric qui doit être en stand-by derrière, mais qui peut pas prendre le micro à cause d'un problème de tos. Quand il a une installation un peu abracadabrante, il se reconnaîtra, si je me trompe pas, il est du côté de Talence. Break. Oui, en avant le break. Ouais, 73-51, tous, la bonne année, le 2033. Et 73-Dolu. Ok, j'espère qu'il m'entend. Ludovic, les bonnes années, bonne santé, meilleurs voeux, et tout, et tout, et tout, plein de contacts. Pour demain, il n'y a pas de problème. Je serai là, Ludovic. Ludovic, est-ce que tu m'entends? Désolé, si j'ai eu le tour, je garde tout. Tout, voilà.
tiens, puis Roland, Ludovic, tu es ça là? Ouais, il doit pas entendre le Ludo, il entend pas le renard. Moi je l'entends, je suis désolé, je ne copie pas du tout. Enfin, j'entends quelqu'un parler derrière, mais c'est très faible. Désolé. Ok, ok, bon, je reprends. Bon, il t'a envoyé 113, voilà, 113. Voilà, 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 il a bonne santé, voilà. Mais lui, il t'entend, hein. Lui, il t'entend, mais ouais, toi, tu l'entends trop petit. Ouais, il t'entend pas, Christian. Je sais, t'as pas entendu le répéter, Eric. Thierry, pardon, je l'entends, moi, pas le problème, Ludovic. Bon, mais ok, t'as fait un QSP, merci beaucoup. Thierry, le courrier, c'est à toi, Henri. Ok, Ludovic, justement, tu disais que tu as fait pas mal de kilomètres. Tu es passé en même temps par la région centre et tu as eu quelques OM justement là, très actifs là, par là-bas. Et vas-y, annonce un petit peu les chiffres là, de combien ils sont eux là-bas dans le QSO national du canal 27. Ok, j'ai juste pas bien entendu le chiffre. C'est de l'ordre de 50 ou 60, je sais plus, je sais pas, j'ai pas bien compris. C'est 60, hein, voilà, répartis. Ah oui, quand même, 60. C'est une moyenne de 25-30 par. Ouais, enregistrez le break, hein. Putain, 60. Oh la vache, ça fait du monde ça. Oh putain, on est bien loin, hein. On est complètement largué là. Il y a une station là qui m'a parlé vite fait, là, 2 secondes, retour de micro. Bon, c'est pas grave, il y a eu un break, on est avant le break. Ah bah d'accord, bon c'est pas grave, retour Eric, si tu as entendu le break derrière. Une fusillade en direct. Ah ben bordel, il a pas mis à filmer celui-là. Non mais le mec il peut le faire, c'est avec son portable, c'est ce qu'il est en train de faire là. Et il y a une fusillade en direct là, aux États-Unis. L'Ouvertale aux États-Unis, voilà. Et voilà, il y a des trucs partout là, ça pète. C'est en direct. Eh ben bordel. Remarque, eux, c'est vrai qu'ils ont les moyens radicaux de régler les problèmes, hein. Ah non, mais tu casses que dalle, hein. Non. Ça a juste mis un petit break dedans, c'est tout.
Bon, je crois que quelqu'un a parlé. Ben, je veux bien reprendre. Ok, vas-y. Ben, parce que du coup, dans mon tour de France de la station, là, le tour de France du cycliste, j'ai eu quand même quelques stations aussi sur Poitiers. Bon, j'ai eu l'occasion d'en parler aussi dans le QSO, je vais pas y revenir. J'ai eu aussi une station sur Tours. Alors j'ai laissé mon post-it parce que j'ai noté ça sur un post-it dans la voiture, j'ai laissé la voiture. J'ai une mémoire de moineau, j'ai pas l'info en tête. Mais voilà, j'ai une station que j'ai contacté sur Tours. Et puis sur le trajet aussi, j'ai fait un QSO avec une station de Marseille aussi. Voilà. Il y a un peu de trop vague arrivé sur Tours, donc c'est rigolo, j'ai entendu qu'il passait une ancienne appel, donc j'ai répondu. Mais je confirme, il y a du monde et c'est vrai que, alors en région parisienne, j'ai pas eu beaucoup de temps de faire de l'écoute, d'écouter un petit peu ce qui se passait, mais il y avait quand même pas mal de monde sur le 19, sur les canaux aussi à côté, en FM, il y a pas mal de stations là qui passent en FM. Donc, il y a du monde, hein, il y a du monde en fréquence, voilà. Je pense que Lyon, on n'est pas le département, le dernier département en matière de nombre de stations, mais il y a des départements où il y a plus de monde, hein, voilà. Donc, pensez-y, quand vous prenez la voiture, quand vous baladez, n'hésitez pas à lancer des appels, blablabla, je passe à côté de Colby, c'est une station à écoute, et voilà, même sur le Triple 5, plutôt de la destination internationale, il y a des stations bien sympas qui attendent, et voilà, ça ne faut pas hésiter. Ok, d'accord, ben justement, tu fais bien d'en parler. Et quand t'es passé sur Tours, ce serait pas un certain Nicolas, des fois, que tu aurais en fréquence, c'est bien possible. Non, mais c'est vrai que je vois là au niveau des messages là sur internet, tout le monde pense qu'il y a que tous les CB sont réunis en Gironde, mais c'est enfin j'exagère peut-être un peu. Et la Gironde n'est pas le département où il y a le plus de cyclistes, hein, loin de là. Hein. Et là, tu le prouves une fois de plus, hein, dans d'autres départements, comme le centre, par exemple, où il y a énormément d'activités. Hein. Et c'est sûr. Et puis, du côté de la M et tout, si pas mal de monde pense qu'il n'y a personne, eh bien si, puisque tu vois, là, pendant les vacances, plus sur janvier, hein, je suis resté principalement là sur les 40 calos. J'avais enclenché le mois de scan et j'ai pas arrêté d'entendre des stations et des YL justement. Et pas forcément celles qu'on connaît comme Pamela par exemple, mais d'autres complètement inconnues de la radio. Et y a du monde, hein. Oui, non mais t'as bien raison, il y a du monde. Ok, retour Eric. C'est pas vrai, il est parti voir la vidéo de Coyote, hachis trois coups. Eric, là, il a des problèmes avec son DSI, là, il marche plus, il va me le donner, je pense. Ah là, j'ai pas fait de sirène, c'est Rémi, sa radio, elle a chuté, mais impressionnant. Qu'est-ce que j'ai au niveau de la radio? J'ai pas de QRM, c'est clair, ça fonctionne bien le VHC, mais ta radio, elle a chuté d'un coup, là, on aurait dit que t'avais enlevé des vitamines derrière ou je sais pas quoi. Pourtant non. Ben non, moi je te parle pas de toi, je te parle de moi. Ok, non, moi je suis comme d'habitude. Peut-être que je parlais pas, il a fallu que je m'écarte. Non, il n'a pas fallu, n'importe quoi. Je me suis peut-être écarté du devant du micro, ce qui a fait baisser la radio, ça c'est pas impossible. Ah ouais, la radio a chuté, mais tout à l'heure ça arrivait bien. On aurait dit que comme si tu sais, un exemple, je te donne un exemple, comme si tu étais à 100 watts et que tu étais parti à 10 watts, tu vois. La radio elle a fait une chute impressionnante. Ah oui, d'accord. Donc si je fais comme ça, là par exemple, ok, que là je reviens devant, là il y a une différence. Ouais, ok, d'accord. Ouais, ok. Mais là c'est un petit peu mieux, là, je sais pas. Ou alors c'est la propagation, je sais pas. Mais c'est pas l'équivalent, moi j'ai pas.
Ah, par contre, de mon côté, si, j'en ai un peu, là. Bon, j'ai un petit peu joué avec avec les filtres, avec le DNR, entre autres, pour essayer d'améliorer ça. Mais c'est vrai que là, je suis... bon, ça va, j'arrive à entendre tout le monde. Hein. Enfin, tout le monde presque, puisque Pierre-Michel, j'arrive pas... je le devine derrière, mais c'est tout. Hein. Ouais, mais là, ça me tient mieux. Par rapport à tout à l'heure, là, ça me tient mieux. Ok, ben là j'ai le micro bien en face de la bouche. Je pensais pas qu'il était aussi directionnel celui-là. Ok, allez à toi Coyote. Était, devine. Il est en train de regarder la vidéo. Bon, s'il y a des breaks derrière, allez-y en avant. Sur le chat, là, c'est une station à l'écoute, là, Xavier. J'ai pas pu voir qui c'était parce que la connexion internet vient de me lâcher. Donc c'est bon, 73, la station. À moins que ce soit le roller. Je sais pas. Non, c'est Christian, comprenant le nom d'opérateur, je crois. Retour 1. Xavier, oui, Xavier, qui en même temps, qui normalement doit être à l'écoute derrière. Ouais, t'as raison, je l'avais zappé là, ouais. Il y a Xavier, il y a un autre Eric aussi. Ils doivent être tous les deux à l'écoute là derrière. Je sais plus lequel des deux a un gros problème de tos. Et ce qui fait que bon bah ils peuvent pas monter là, ils peuvent pas prendre le micro, quoi. C'est 14 Victor Eco 27, l'opérateur Eric, et puis il y a Zoulé 33. Ok. Oui, affirmatif, tu as entendu, tu as répondu. Amitié Eric et Ludo. Alors Ludovic, est-ce que tu veux parler là de ce qu'on va faire là demain après-midi? Je sais pas, c'est un truc, normalement on en parle qu'après 22h, c'est un truc d'adulte. Hein. Le con. Pour le coup je viens pas. Attends, le mec il me file rendez-vous dans un endroit un peu chelou, enfin voilà quoi. Non, j'explique vite fait, on va faire des petits essais d'antenne, voilà, ça fait un moment que ça trotte. On n'avait pas trouvé le temps, on va faire des comparatifs d'antennes. Voilà, j'ai acheté il n'y a pas longtemps une stéréo Performer Famille, qui a l'air de tourner très bien, de faire des bons. Pour laquelle j'ai des bons rembours en temps de modules et tout ça, ça a l'air bien top. Donc on va essayer de confirmer ça et on va faire des comparaisons, idéalement avec faire un comparatif de trois antennes, donc la stéréo, la vieille 945 qui reste au fond du garage et puis si possible aussi la Santiago 1200, voilà, pour voir dans des conditions si possible quasi identiques, faire ça assez rapidement sur une partie d'après-midi, voir s'il y a vraiment des différences de signal, aussi bien l'émission qu'à la réception, voilà, sur la différence de qualité. Donc on va faire des tests comme ça et puis donc on se retrouve demain sur un parking, voilà, et pour faire tout ça, donc là derrière il y aura une petite publication je pense sur le forum et ailleurs sur Facebook aussi. Ouais, parce que là on va faire une vidéo de tout ça. Et si tu veux faire d'autres tests, j'ai chargé la voiture là en antenne mobile. C'est ce qui m'a permis de voir qu'il m'en manque une. Bon, c'est pas grave, peu importe. J'en avais une 90 cm.
Mais bon, peu importe, c'est pas grave. Bon, j'ai pris au cas où, dans les échanges, les tests et l'antenne, il y aurait des petits soucis de réglage. Pour ne rien bouger, j'ai chargé le matcheur. Donc, comme ça, on sera tranquille. S'il y avait un petit souci quelque part, j'ai pris le Matrix aussi avec. J'ai pas pris d'outils parce que là, non, après, on amène la caisse à outils, c'est pas la peine. Vas-y Dudo, ce qui serait pas mal, c'est plutôt qu'on attrape une station fixe qui accepte de qu'on fasse les tests. Ouais, tu sais ça où exactement? Hop, je crois qu'il a un petit souci là, Dudo. Ah bah, alors ça, Eric, ça serait génial. Ludovic, ce qui serait encore mieux, c'est qu'on puisse faire les tests justement avec Eric. Vu où il est, il y a une bonne distance. Parce que échanger nos antennes pour voir ceci, cela, ainsi de suite, déjà, ça crée un laps de temps entre deux tests d'antenne. Donc au niveau conditions propag, ça risque d'être complètement différent. Alors que si Eric est d'accord, on fait ça vers 15h, pas avant. Si Eric est d'accord, sur chaque antenne nous donner un report et puis en faire un relevé aussi de notre côté, quoi. Et puis après on verra comment on s'organise.